Bonjour, Bernard Razzano, coach sportif de la police municipale chargé de la cohésion et de l'entretien physique professionnel. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la corde à sauter, avec la corde à sauter. C'est-à-dire que pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne savent pas faire de corde, il y a des mouvements très simples à adopter. C'est-à-dire que vous allez commencer à travailler les pieds joints, comme ceci exactement. Voilà. Vous allez en faire un, et après vous allez en faire peut-être plusieurs, pieds joints, voilà. Jamais lever les jambes. Si vous levez les jambes, vous allez forcément accrocher la corde derrière. D'accord? Donc en fait, on va travailler uniquement sur les pointes de pied. Comme ceci. D'accord? Regardez. Jamais relever les jambes derrière parce qu'on risque d'accrocher. Donc on va commencer par travailler pieds joints. Okay. Après, il faut avoir une corde de la bonne dimension. Pour avoir une corde à la bonne dimension, vous mettez les deux pieds dessus comme ceci et vous devez arriver à votre taille. Comme ça, voilà, d'accord, pas trop haute. Si vous la prenez trop grande, elle risque de taper trop loin devant et remonter sur vos pieds. Donc il faut qu'elle soit à la bonne taille pour qu'elle puisse passer sous les pieds sans trop de longueur. Donc on reprend, pieds joints, et là vous allez recommencer avec sur un seul pied et après vous changez, voilà. Et après, vous pouvez faire en alternant, comme ceci. Et après, vous pouvez travailler comme un boxeur. Voilà. Alors, une fois que vous savez sauter à la corde, après, il y a différents mouvements pour travailler ses déplacements. C'est-à-dire que vous pouvez travailler les ciseaux. Voilà, je me mets de profil. Et là, on travaille les ciseaux. Toujours les jambes tendues. Jamais fléchir les jambes, d'accord? Voilà. Et là, une fois que vous allez un peu mieux, vous pouvez lever les genoux. D'accord? Alors, ce que vous pouvez faire également, c'est travailler sur la vitesse. Voilà. Écoutez, bon entraînement. Entraînez-vous bien pour travailler sur la corde à sauter. Bon confinement, au revoir.